Salut, Nour. On est aujourd'hui à Cubo. On a des classes qui ont lieu juste derrière nous et on est à San Salvador. C'est la première fois que je te rencontre, même si j'ai entendu parler de toi. Donc, du coup, je pense que ça pourrait être bien pour l'audience et pour moi si tu m'en disais un peu plus sur qui tu es, d'une façon liée à Bitcoin ou même plus largement pour qu'on comprenne un peu. Qui tu es dans tout cet écosystème? Super. Oui, je m'appelle Nour. C'est mon vrai prénom, c'est pas un pseudo. Je suis la co-organisatrice de Adopting Bitcoin, qui est une conférence qui a commencé en 2021 au Salvador. Et je suis CEO en intérim de Blink, qui avant ça s'appelait Bitcoin Beach Wallet. Et je suis contributrice aussi à bitcoinarabic.org, qui est un site focusé principalement, uniquement en fait, au Bitcoin. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on traduit du contenu sur le Bitcoin à l'arabe. D'accord. Donc voilà, donc ça fait 2 ans que je suis au Salvador. Je suis venue principalement à la base pour organiser Adopting Bitcoin, parce que bon, le Bitcoin, ça me passionnait. J'avais vraiment envie de contribuer d'une manière ou d'une autre à ce qui se passait au Salvador. Et c'était une opportunité d'or que je pouvais pas refuser. Et donc du coup, en une semaine, j'avais mes valises de prête et j'étais au Salvador. Et j'ai passé à la base, j'étais censée être ici pour 3 mois. Après, je me suis rejoint à l'équipe de Galloy comme directrice de partenariat. Et ils ont décidé de faire l'événement encore une fois de manière annuelle. Donc je suis restée au Salvador et j'y suis depuis 2 ans maintenant. Ok, excellent. Donc, j'imagine que tu parles plusieurs langues. Ouais, je parle plusieurs langues, ouais, en Et effet. donc, tu traduis, c'est ça, ce que je connaissais pas ça sur toi. Donc, tu peux m'en dire plus sur Bitcoin Bitcoin arabique, arabique? ouais, bah à la base c'est Arabic Huddle qui avait commencé cette initiative. Je me suis greffée à lui. D'accord. On s'est rencontrés sur Twitter, comme plein de Bitcoiners Ok. qui se connaissent à travers le monde. Il avait lancé cette initiative en 2019 et j'ai bien aimé en fait leur signal. Ils avaient un high signal, Bitcoin only focused website en arabe seulement. Et donc, du coup, j'ai voulu contribuer et ça fait depuis 2020 à peu près que j'essaye d'aider d'une manière ou d'une autre, de supporter, etc., avec le contenu, etc. C'est une initiative qui est vraiment bottom-up. Donc, les contributions, les traductions viennent un peu de partout. Des anons sur Twitter qui découvrent le site et qui soumettent des traductions, que ce soit des livres, des articles, parfois c'est des vidéos, parfois c'est tout et n'importe quoi en fait, tant que c'est juste focusé sur le Bitcoin, on le met sur le site web. Ok. Ouais. Bah, la raison pour laquelle je posais la question pour les langues, c'est que nous, c'est vrai qu'avec des coups de Bitcoin, on a aussi beaucoup la question et aussi des langues autour de Bitcoin, Ouais. à quel point ça a un impact quand même qui est important, puisque j'en parlais hier à quelqu'un en lui disant que ce qui est marrant dans la sphère maximaliste française, c'est qu'on se rend compte que pratiquement 90% d'entre eux parlent très bien l'anglais. C'est ça. Et donc, on se rend compte qu'il y a vraiment quand même une barrière de langue qui est dans Bitcoin, Exact. où il y a énormément de contenu qui est en anglais, et il y a donc une grande partie du contenu qui n'est pas accessible à plein de personnes dans d'autres langues, et que ça peut être un certain frein pour l'adoption, en fait. 100%. C'est justement pour ça que j'ai voulu contribuer à cette initiative. Et à l'époque, ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit un mot en arabe. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu quoi que ce soit en arabe. Et je savais qu'un jour, il fallait que j'explique Bitcoin à mes parents, qui parlent principalement arabe. Et donc, pour moi, c'était une manière d'apprendre en fait le langage du Bitcoin en arabe. Donc, c'était un peu self-serving. C'était très égoïste de ma part. Mais en même temps, c'est exactement ce que tu dis. C'est qu'il y a pas, il y a, tous les contenus sont principalement en anglais. Et donc, si les gens ne parlent pas anglais, bah, ils ne pourront pas accéder à cette information-là. Et dans le monde, au Moyen-Orient, dans le monde arabe, de manière générale, l'anglais est en baisse. Donc, il y a de moins en moins de gens qui parlent anglais. Donc, traduire ce contenu-là est devenu de plus en plus important. Et surtout dans un monde où il y a plein de noise, en fait. Il y a tellement d'informations sur les shitcoins, etc. Et c'est beaucoup plus accessible. Et étant donné les conditions économiques de ces pays-là, les gens sont toujours plus attirés par les promesses de faire de l'argent très rapidement, etc.
Et donc, pour moi, c'était la seule initiative qui était vraiment, vraiment high signal, qui n'essayait pas de vendre des rêves aux gens et qui essayait vraiment d'apprendre aux gens c'est quoi le Bitcoin de base, de point de vue technologique, philosophique, économique, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les Bitcoiners se retrouvent, en fait, ils retrouvent ce genre de signaux-là et ils se sont greffés à cette initiative. Et maintenant, il y a tout un GitHub qui existe, qui est self-sufficient, tu vois. Donc, c'est des gens qui contribuent à ce contenu-là de manière très, très volontaire et ils le nourrissent, en fait, de contenu technique, etc., sur comment utiliser Bitcoin in the best way possible, in a private manner, etc. Donc, Ouais, je comprends. moi, je trouve ça super cool. Bah, carrément, parce que c'est vrai que enfin, moi, ma vision, c'est que Bitcoin, c'est déjà tellement un changement pour beaucoup de personnes que s'ils ont besoin en plus d'apprendre une nouvelle langue pour pouvoir y Exactement, accéder, exactement. c'est limite un peu Ouais. une tâche impossible en fait. C'est ça, c'est ça. Et déjà, le langage de base du Bitcoin est compliqué à comprendre, même si c'est expliqué dans ta langue maternelle. Donc, si en plus c'est en anglais ou en français ou une langue que tu connais pas, bah, c'est encore plus compliqué. La barrière à l'entrée, c'est énorme, quoi. Donc, Génial. ouais. Et bah, peut-être alors tu peux nous en dire plus sur comment tu as découvert Bitcoin, comment justement tu as, toi, enfin, fouillé un peu tous les rabbit holes sur Internet ou ailleurs pour pouvoir en arriver à ce que tu fais aujourd'hui. That's a good question. C'est un ami en fait qui m'a introduit au Bitcoin. À la base, je travaillais dans le monde techno. J'avais géré un incubateur de technologie à Montréal. Et la première fois que j'avais entendu parler du Bitcoin, c'était à peu près en 2012. C'était une des premières startups qu'on avait supportées qui faisait un wallet Bitcoin. Et tout ce que le gars racontait me dépassait. J'avais rien compris. C'était du chinois pour moi. Donc du coup. Mais c'est resté in the back of my mind un peu, genre, c'est quoi ce truc? C'était quand même assez intéressant. Et en 2015-2016, quelqu'un a pris le temps de me l'expliquer un peu plus. On a fait quelques transactions ensemble, etc. Et c'est ce qui m'a fait cliquer, c'était le moment où j'ai pris custody de mes propres coins. Et c'est là où ça a commencé à m'intéresser de plus en plus parce que. Je viens d'une famille palestinienne de base. Ma mère avait vécu en Libye. Et pour moi, quand j'ai tenu les 24 mots dans ma main, je me suis dit, ah, en fait, avec ces 24 mots, tu peux te rebâtir n'importe où dans le monde. Et c'est ça ce qui fait la valeur de ce truc-là. Et étant donné aussi que je viens d'une famille Middle Eastern, du Moyen-Orient, le concept de store of value in gold faisait quand même partie de ma culture. Donc, c'était pas compliqué de comprendre, OK, limited supply goes up in value, le plus de gens vont vouloir, le plus ça va prendre de la valeur. Donc, au début, c'était plus, OK, je vais les garder, je vais voir comment ça se passe. Mais je suis vraiment rentrée dans le rabbit hole en 2020, quand tout a changé dans le monde, en fait, et j'ai commencé à lire un peu plus sur le sujet et m'intéresser encore plus à comment on peut. Devenir ou rester, garder notre souveraineté en tant qu'individu. Et là, j'ai découvert Bitcoin Twitter et j'ai découvert tout le monde qui ont écrit plein de trucs super intéressants sur le sujet. Et depuis, j'avais qu'une obsession, en fait, c'est de me focusser que là-dessus. Donc, et j'ai eu beaucoup de chance, en fait, de pouvoir le faire pour la première fois au Salvador, qui est le premier pays qui a adopté Bitcoin comme monnaie légale, donc Génial, ouais. ben, belle histoire. Et ben voilà, donc tu me parlais donc de ton voyage récent et puis du coup de fait que Ouais. tu sois installé au Salvador. Je pense que ce qu'il y a dans la tête de beaucoup de personnes, moi en tout cas, c'est ce qu'on m'a beaucoup posé comme question du fait que je sois venu ici aussi, c'est quelle est la qualité de vie, quelle était avant, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, le Ouais. niveau de sécurité. Je sais que c'est quelque chose qui est vraiment dans la tête des La gens. base, ouais. Moi, j'ai pas suffisamment d'expérience pour pouvoir m'en faire une idée définitive. Ouais. Toi, quelle est ta vision de ça aujourd'hui après quelques temps ici? C'est le jour et la nuit. C'est incroyable la vitesse à laquelle ça a changé de point de vue sécurité.
Je donne souvent cet exemple. Quand je suis arrivée en septembre 2021, je suis allée avec quelqu'un que j'avais connu ici au centre-ville vers 9h30 du soir. Quand on est arrivé là-bas, il n'y avait pas un chat, il y avait juste des itinérants et quelques policiers par-ci par-là, et c'était épeurant. Donc, et j'avais qu'une envie, c'est de rentrer à la maison parce que c'était pas. Je me suis vite rendu compte en fait que c'était pas l'endroit où il faut aller. Il faut être à 9h30 du soir. Et d'ailleurs, l'endroit où on allait allait fermer dans 10 minutes. Donc, ils nous ont même rendu l'argent qu'on les a payé à l'entrée pour nous dire qu'en fait, ils vont pas rester ouverts. L'année dernière, vers Noël, ça c'était après un an et demi à peu près, un peu moins qu'un an et demi. 9h30 du soir, il y avait des familles partout au centre-ville qui s'amusaient, il y avait de la musique partout, des gens qui profitaient en fait finalement de leur liberté auxquelles ils n'avaient pas accès avant. Donc ça, pour moi, c'est l'exemple le plus drastique qui fait comprendre aux gens que ça a changé très très vite. Personnellement, et ça, c'est quelque chose que souvent on me l'a répété, on l'a dit, c'est qu'en tant qu'étranger, tu n'es jamais en danger au Salvador. C'est les locaux qui sont plus en danger que les étrangers, surtout dans les endroits touristiques, etc. Donc moi, personnellement, je n'avais jamais vraiment senti de danger, peu importe où j'étais. Mais par contre, les locaux, j'ai entendu des histoires d'horreur, quoi. Mais heureusement, maintenant, c'est beaucoup moins. C'est pas le cas du tout, en fait. Les gens se retrouvent en fait leur propre environnement, leur propre neighborhoods, leur propre village, etc. Et t'entends de moins en moins d'histoires du genre je dois payer 5 dollars pour rentrer chez moi le soir, alors qu'ils gagnent 20 dollars de la journée. Tu vois, donc c'est différent, c'est très très différent. Et peu importe à qui tu parles, peu importe le Salvadorien à qui tu parles, ils vont te dire c'est différent. C'est Donc différent. c'est vraiment c'est une réalité, parce que c'est vrai que quand on voit ça à travers les médias, et quand tout est filtré, en tout cas à Ouais. travers des vidéos et des médias, on a du mal à se faire une idée définitive, à se dire est-ce que c'est quelque chose qui est envelifié ou est-ce que c'est une réalité. Moi, c'est vrai qu'après les quelques jours que j'ai passés ici, en parlant aux étudiants de Cubo Plus, j'ai vraiment l'impression que c'est une réalité, Ouais. parce qu'ils n'ont pas de raison de me mentir, et pourtant ils sont tous d'accord sur le fait qu'ils ont une meilleure qualité de vie aujourd'hui Bah oui. qu'il y a quelques années. Et du coup, ben, je trouve que c'est Bah vraiment, c'est beau à voir, quoi, de voir des gens qui enfin peuvent avoir un peu de répit sur leur oui. vie. Ouais. Qui peuvent profiter de leur pays, qui est super beau. Qui peuvent finalement se déplacer tranquillement sans avoir peur de perdre leur vie, quoi. C'est quand même incroyable. Et c'était souvent des meurtres pour des quantités d'argent qui pour nous, ça, c'est rien, quoi. Ouais, non, c'est vraiment. Ça fait chaud au cœur. C'est pas directement relié au Bitcoin. C'est juste une décision du gouvernement qui se sont dit, il faut. Si on veut une meilleure économie, ça commence par la Bien sécurité. sûr. Parce que tu as des zones au Salvador où même les entreprises locales ne voulaient pas opérer là-bas. Donc tu avais des food deserts au milieu du pays parce que justement les entreprises ne pouvaient pas livrer Parce qu'on quoi que ce comprend soit que là-bas. le tissu économique, il peut exister que dans des zones où il y a Où il y a quand de la même une certaine sécurité. sécurité. Exactement, exactement. Et ça ne vaut pas la peine d'ouvrir une entreprise ou même une petite tienda qui vend quoi que ce soit si tu vas te faire taxer tous les jours la moitié de tes revenus. Donc c'est sûr que c'était la base en fait pour qu'ils puissent bâtir un pays qui va évoluer économiquement d'une manière plus saine. Non, mais c'est génial. Et Ouais. ça inspire beaucoup de choses positives, même pour moi qui vais rester ici Ouais. pendant quelques temps. Ouais. Ça fait Ouais. plaisir de l'entendre. Donc, le Salvador, c'est connu pour, en tout cas autour du Bitcoin, vis-à-vis de Bitcoin Beach, Ouais, où les choses ont commencé. c'est ça. Peut-être déjà que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être Bitcoin Beach, le début de cette initiative, et comment ça a amorcé peut-être une partie de ce qu'on voit aujourd'hui ici autour de Bitcoin. Ouais. Bitcoin Beach, en fait, c'est à la base, ils ont reçu une. Ils avaient commencé. On va parler de El Zante d'abord, avant de parler de Bitcoin Beach. El Zante, c'est un petit village au bord de la plage, de pêcheurs principalement, qui, comme tout autre village au Salvador, était
Les jeunes étaient très susceptibles à se joindre aux gangs, se joindre aux criminels, etc. Et donc, un groupe de locaux, notamment Jorge, Roman et Mike Peterson, ont décidé de commencer une initiative qui s'appelle Hope House, justement pour aider ces jeunes-là à voir le futur d'une manière différente, de ne pas voir le monde criminel comme leur seule option de faire réellement de l'argent et de leur donner des outils nécessaires pour qu'ils puissent se développer, que ce soit apprendre l'anglais ou éviter le décrochage scolaire, etc. Et donc ça a commencé avec ça, je pense, Hope House a commencé en 2015, un truc du genre. Et en 2019, ils ont reçu une donation anonyme en Bitcoin avec avec une condition qu'ils ne pouvaient pas vendre ce Bitcoin-là quand le prix était élevé et qu'il fallait utiliser ce Bitcoin pour créer une économie circulaire. Et donc ils ont commencé d'abord par recruter des jeunes et de les payer en Bitcoin pour des petits travaux, que ce soit le nettoyage de la plage ou c'est que s'ils donnent des cours à Hope House, ils les payent en Bitcoin, etc. Et petit à petit, ces jeunes-là avaient besoin d'endroits où dépenser ce Bitcoin. Donc les marchands aussi ont commencé à l'accepter. Nicolas Burté de Galloy a décidé de s'installer ici en 2020 pour justement les aider à créer une infrastructure, une banque communautaire pour les aider parce que en 2019, ils ne savaient pas que Lightning existait. Et ils utilisaient plein de wallets différents, d'exchanges, etc. Et Nicolas vraiment les a aidés à mettre en place une infrastructure Lightning justement pour aider à faciliter ces transactions-là de manière instantanée et pratiquement gratuite. Et ça a commencé par ça. Donc, au bout de quelques temps, c'est devenu une destination de plus en plus populaire parmi les Bitcoiners qui sont venus un peu partout pour voir qu'est-ce qui se passait. C'est là où le nom Bitcoin Beach Est arrivé. est arrivé. Ok. Là, on se situe à peu près à partir de. Ah. 2020, D'accord. 2020, on Ok. est en 2020. Et en 2021, bah, le gouvernement, en fait, Nayib Bukele a de base, je pense, je ne l'ai pas rencontré, donc je peux pas dire, mais en parlant avec des gens, c'est un Bitcoiner. Et en 2017, il a un tweet qui dit, bah oui, évidemment, si je deviens président, je vais utiliser Bitcoin comme monnaie. C'était 2 ans avant l'initiative de Bitcoin Beach. Et donc, il avait déjà Bitcoin dans sa vision et il a utilisé ce qui s'est passé à Bitcoin Beach, en fait, pour bâtir son argument. Parce que il a pu prouver au reste de Salvadorien que si ça marche là-bas, bah, ça pourrait marcher n'importe où d'autre. Et donc, voilà, c'était une belle initiative qui a inspiré plein d'autres initiatives à travers le monde, que ce soit au Brésil, au Pérou. Dans plein d'endroits en Afrique du Sud, au Cameroun, etc., à prendre l'adoption en main et d'essayer d'emborder le maximum de gens possible à travers l'éducation, même style d'initiative, par exemple, à Bitcoin Ekassi en Afrique du Sud. Aussi, ils essayent d'encadrer les jeunes pour qu'ils puissent avoir un meilleur futur. Ils utilisent le Bitcoin aussi comme moyen d'encouragement, de paiement, etc. Et c'est devenu en fait une source d'inspiration dans un endroit peu probable qui est devenu le premier à adopter Bitcoin et de l'utiliser comme monnaie avant même l'approbation officielle d'un gouvernement. Ok, génial. Ouais. Ouais, je comprends mieux un peu le déroulement des choses. C'est vrai que c'est presque étonnant en fait de voir qu'un tweet comme ça, comme tu me dis, de 2017, ait été suivi par une réelle action. Ouais. Parce qu'on autour de Bitcoin, on entend toujours plein de personnes qui font des effets Ouais, d'annonce, qui ouais. disent des choses. Et donc c'est vrai que c'est vraiment étonnant de voir en plus un gouvernement qui est aussi focus Bitcoin, alors Ouais. que ce serait très facile pourtant de choisir une approche beaucoup plus large, mais qui serait beaucoup moins éthique Ouais. aussi, de la même manière. Absolument. Et c'est ce qu'ils font souvent ici, le gouvernement. Bah, je peux pas parler de tout le monde du gouvernement, mais au moins le président du Salvador, Nayib Bukele, il est très. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, souvent, c'est fait. Il y a des Il y a actions. des actions qui suivent très rapidement et c'est souvent bien fait. Donc, on n'a pas grand-chose à leur reprocher pour le moment.
Bah, écoute, c'est génial. Et puis, donc Bitcoin Beach Wallet, Bitcoin Beach, pardon, ça nous amène à Bitcoin Beach Wallet, C'est ça. qui est donc, si je comprends bien, le wallet qui a été utilisé et mis en place par Nicolas Exactement. quand il est arrivé au Salvador. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être m'en dire plus sur exactement, bah, je pense que tu as bien défini le problème. Ouais. Mais du coup, quelle a été la solution qu'a apporté Bitcoin Beach Wallet au milieu de tout ça? Bah c'est Bitcoin Beach Wallet, en fait, de base, c'est une wallet Lightning custodial qui est principalement basée sur le Lightning. Donc, oui, on utilise le on-chain, oui, les gens peuvent envoyer, but it's Lightning first, parce que c'est l'infrastructure, en fait, qui permet au Bitcoin de devenir un moyen d'échange. Et on prend en considération tous les acteurs d'une économie, que ce soit l'acheteur ou le vendeur. Il y a des outils au sein de l'application qui permet aux vendeurs d'accepter du Bitcoin très facilement en utilisant plusieurs outils, qu'ils soient en ligne ou offline, qu'il y ait Internet ou pas, qu'ils puissent quand même accepter les paiements et recevoir les paiements. Et que n'importe quelle personne puisse le payer, peu importe l'application qu'ils utilisent. Donc c'est ça de base, et que l'argent soit gardé d'une manière sécuritaire pour la communauté, pour tout le monde qui l'utilise aussi. On n'utilise que du Bitcoin, il n'y a que du Bitcoin qui est gardé dans cette wallet et qui est gardé dans un cold storage multisig. Et donc voilà, c'est ça la base. Et en fait, l'avantage que Bitcoin Beach, à mon avis, a par rapport aux autres applications, c'est que on a beaucoup d'apprentissage underground, des gens de différents degrés d'éducation et de compréhension sur le Bitcoin, qui fait en sorte que tout ce qu'on ajoute sur cette application-là vient de ces apprentissages-là. Donc, par exemple, quand on a lancé Stable Sats l'année dernière, c'était principalement parce que si les gens veulent utiliser Bitcoin comme de l'argent, mais ils ont besoin de. Nous, on a besoin de prendre en considération la volatilité du taux d'échange du Bitcoin. Et donc, pour quelqu'un qui fait 500 $ par mois quand le prix du Bitcoin descend de 30 %, ça les affecte beaucoup. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen pour les aider à garder cette valeur-là plus stable. Pas plus stable, juste stable. Et c'est de là que StableSats est venu. Même chose pour le POS qu'on a. Si un vendeur a plusieurs employés, il a besoin que les employés puissent accepter le Bitcoin à sa place. Il y a juste un petit lien qu'ils peuvent Sans pouvoir ouais, retirer les fonds, peut-être. exactement, sans pouvoir retirer des fonds. C'est juste un lien qu'ils partagent avec tous les employés. Ils peuvent recevoir du Bitcoin dans une wallet spécifique. Ce qui est Donc, essentiel au final. ouais, absolument, absolument. C'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'au final, les wallets, ils sont. Les meilleurs wallets sont ceux qui essayent vraiment de s'adresser à un public, ou en tout cas de bien Ouais. comprendre le public auquel ils s'adressent. Et C'est que ça. c'est difficile pour un wallet de s'adresser à tout le monde, mais qu'en Ouais. tout cas, il y a des wallets qui, une fois qu'ils ont trouvé à qui ils vont servir, ils Ouais. arrivent vraiment à étoffer ces petits détails d'une manière Exactement. vraiment importante, parce que ce dont tu parles, le fait de pouvoir accepter du Bitcoin sans pouvoir les retirer, on se rend compte que dans le contexte d'un bar avec plusieurs employés, en fait, c'est indispensable. De la même manière qu'on voudrait pas un bar en France avec des gens qui se baladent avec des TPE et qui pourraient prendre l'argent du TPE si jamais ils avaient envie de faire une mauvaise blague à leur patron. Donc ouais, je comprends complètement le cas d'usage. Et donc bah, tu as évoqué StableSat. J'en ai un peu entendu parler. Je pense que tout le monde n'aura pas exactement en tête ce que c'est. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire plus dessus? Ouais, en fait, on utilise le. Je vais l'expliquer en anglais. Je suis plus à l'aise de l'expliquer en anglais qu'en On français. pourra de Donc, toute ok, façon donc mettre des sous-titres, tout ce qu'il faut, il n'y a pas super, de problème. parfait. Explique-le en anglais, il n'y a pas de souci. For the stable sats, we're using the derivative market to create a short position on Bitcoin to hedge against the drop in the price of Bitcoin. Because all the money that is held in Bitcoin Beach Wallet is held in Bitcoin,
we can easily hedge the price, which makes maintains the stability of its price. That's the most simple way I can explain it. For anybody that wants to know more, there is a website called stablesats.com that has all the resources in it to explain it in a lot more detail for those interested. Okay, so if I receive Bitcoin, I have the option to change it to stable sats, pretty much? Yeah, c'est ça. Donc, dans le wallet, tu as l'option de garder ton argent soit en Bitcoin, soit en stable sats qui est gardé en équivalent USD. Donc, tu maintiens en fait la valeur en dollars américains et tu peux swap back and forth entre les deux. Et ce qui est cool, c'est que tout est sur Lightning. Donc, tu peux accepter de Moon Wallet à ton StableSats account directement sans avoir besoin de faire quoi que ce soit ou même envoyer de ton StableSats account à n'importe quel Lightning Wallet. D'accord. Ouais. Donc, voilà, ce qui est une manière de contrer en partie la volatilité de Bitcoin. Exactement. Qui, quand, pour quelqu'un qui utilise Bitcoin comme les salvadoriens pour l'utiliser, pourrait être un problème. Exactement. Parce que personne n'a envie de voir son... Enfin, là, on peut accepter une certaine volatilité en fonction de si on décide de hodler ou ce genre de choses, mais dès qu'on commence à utiliser cette monnaie au quotidien, c'est vrai que ça peut être très problématique. C'est ça. Et c'est... en fait, moi, j'ai vraiment hâte au prochain bull run dans quelques années, parce que c'est là où les Salvadoriens vont commencer à comprendre de plus en plus la valeur du Bitcoin. Mais pour le moment, s'ils veulent l'utiliser, si on veut qu'ils l'utilisent plus souvent de manière quotidienne, bah, il faut qu'ils aient un moyen pour éviter la volatilité. Ça, on ne peut pas se le cacher. Est-ce que tu parles justement du prochain bull run et de la manière dont ça va pouvoir changer la vision des Salvadoriens sur Bitcoin et comprendre sa fonction de réserve de valeur? Ouais. C'est vrai que si on prend le moment où Bitcoin a été adopté comme monnaie légale au Salvador, ouais. comparé à aujourd'hui, donc on est en juillet 2023, ouais. Bitcoin ne s'est pas fait une belle publicité. Non. Donc il y a eu quand même une perte de valeur significative. Ouais. Est-ce que pour toi, ça a eu un effet néfaste sur la vision des Salvadoriens vis-à-vis de Bitcoin? Absolument. Bah oui, absolument. Parce que eux, ils ont en tête le prix auquel le gouvernement a acheté le Bitcoin, qui était à peu près 60 000 US. Et là, on se trouve à 31 000 à peu près de taux d'échange. Et donc, c'est pratiquement la moitié. Et donc, ils ont ça en tête constamment que oui, non, mais ça s'est cassé la gueule, en fait. Donc, moi, je ne vais pas toucher à ça. Donc, et c'est difficile de leur expliquer que non, mais c'est des cycles, etc. Mais il faut leur expliquer ça. Il faut leur expliquer le cycle du Bitcoin et comment ça peut jouer une fois qu'on le regarde de manière plus long terme. Mais c'est quand même une barrière. C'est quand même une barrière pour beaucoup, beaucoup de gens. C'est ce qui est compréhensible. C'est ça, c'est normal. C'est normal. Donc ouais. C'est vrai que voilà, ils vont, je pense qu'ils auront besoin sûrement d'un cycle pour comprendre cette volatilité sur un time frame qui sera complet. Ouais. Et mais pour l'instant, ils ont eu seulement un aperçu d'une fenêtre de Bitcoin. Et effectivement, c'est de toute façon d'ailleurs cette même volatilité, elle est très dure à appréhender au-delà du Salvador. Hein. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui, nous-mêmes Bitcoiners, quand on parle de Bitcoin autour de nous, on a toujours ces réflexions. Ouais. Ah, t'as vu, Bitcoin est mort, Bitcoin est mort, ouais. Ce genre de choses. Donc, on est habitué hein, ouais. à ce genre de remarques. Donc, on peut comprendre encore plus ici. Yeah. C'est vrai que c'est vraiment particulier parce que pendant que nous, on vit dans des pays où Bitcoin n'a pas une place prépondérante, ouais. Et c'est nous qui essayons de le mettre en avant, ici, c'est l'inverse. Donc, c'est-à-dire que les gens, ben, en fait, c'est le gouvernement qui le met en avant, ouais. Et c'est eux qui sont un peu obligés de. Ouais. De se remettre à niveau, donc la dynamique est vraiment différente, hein. C'est ouais. étonnant. Et c'est complètement différent quand on parle aussi d'une société qui 70% de la population est non bancarisée. Ils utilisent le cash principalement, donc pour eux, le concept d'une monnaie digitale, c'est complètement foreign, ça n'existe pas dans leur mentalité. Donc c'est beaucoup d'apprentissage en même temps, et si en même temps on t'introduit le concept de la volatilité du taux d'échange, donc c'est ça ajoute à la difficulté de vraiment grasp the concept to its fullest.
Mais heureusement qu'on a des initiatives locales qui commencent à aider les gens à en apprendre plus à les éduquer en fait sur le Bitcoin et qui sont principalement gratuites, ouvertes, etc., comme Miprimer Bitcoin ou Kubo Plus auquel vous participez cette semaine. Donc moi ça me donne espoir parce que il vise principalement les jeunes qui vont par la suite aider leurs parents et leur apprendre comment utiliser le Bitcoin, etc. Et moi, je trouve ça super, super intéressant comme initiative parce que au final, ça commence de là. Il faut que les gens aient au moins une option de savoir où aller pour en apprendre plus. Et ceux qui veulent en apprendre plus, bah, ils aient accès à ces initiatives-là de manière gratuite, idéalement, pour qu'ils puissent en profiter aussi. Parce que moi, j'aime bien quand je trouve un Salvadorien à qui je peux payer en Bitcoin, qui est enthusiastic about it, I'm happy that I'm paying him in Bitcoin because you can tell that, OK, this person gets it now, right? J'ai eu une conversation que j'ai adorée. She was an Uber driver and, you know, she was saying, oh yeah, the price is very low right now, so I'd love if more people pay me in Bitcoin. Tu vois, et quand tu as ce genre de conversation-là, de temps en temps, Bien sûr. ça donne beaucoup d'espoir. Non, c'est génial. Ouais. Et d'ailleurs, tu as dit quelque chose qui me fait penser, c'est peut-être bien de le préciser pour les auditeurs, parce que tout le monde ne connaîtra pas forcément la situation du Salvador. Ouais. Donc le Salvador, c'est un pays qui n'a pas sa propre monnaie, Non. enfin, qui n'a, enfin avant Bitcoin, en fait, utilisait le dollar. C'est ça. Donc ils sont très dépendants du dollar de manière générale, soit Exactement. pour leur économie. Et aussi, si je ne me trompe pas, il y a une grande partie de la population salvadorienne qui vit à l'étranger. Et une grande partie du PIB qui lui-même vient de Exact. l'étranger à travers des transferts d'argent. Est-ce que tu peux nous en dire Ouais, peut-être plus donc sur ça? 25% du PIB du Salvador vient des remittances, donc des Salvadoriens qui vivent à l'étranger, qui envoient de Qui l'argent renvoie de l'argent pour les autres. à leur famille ici au Salvador. En 2001, ils ont adopté le dollar comme monnaie au Salvador pour éviter en fait l'inflation qui était inevitable with the colon at the time. Et donc, du coup, les gens ont un très mauvais souvenir de cette transition-là parce que ça s'est fait du jour au lendemain. Personne n'avait le choix. Et du jour au lendemain, tu payais 8 dollars pour. Bon, 1 dollar qui vaut 8 colonnes pour des choses basiques, que ce soit le riz, les frijoles, etc., les nécessités de base. Et c'était beaucoup trop cher pour les gens. Ils n'avaient pas encore la notion de. On a besoin de faire ça parce que sinon, il y a une grande inflation qui vient sur le colon et on n'aurait pas eu le choix de toutes les manières. Donc, ils avaient pris cette initiative de manière préemptive, mais ils n'avaient pas pris le temps en fait d'expliquer aux gens pourquoi ils le font. Et donc, du coup, quand ils ont introduit le Bitcoin, les gens étaient un peu. Ils avaient encore cette mémoire-là de 2001, genre on va nous imposer une nouvelle monnaie. En plus, le taux de change, il change tout le temps et ça monte, ça descend, c'est volatile, etc. Et ça n'a pas aidé en fait l'adoption de manière générale. Mais de plus en plus, surtout ceux qui vivent à l'étranger, commencent à voir la valeur d'envoyer les remittances in Bitcoin instead of dollars, parce que c'est les Western Union de ce monde, etc., qui prenaient 20%. Même eux se sont rendus compte qu'en fait, il faut qu'on ajuste nos prix. Donc, quand je suis arrivée, les prix, les taux de Western Union étaient différents de ce qu'ils sont maintenant. D'accord. Ils ont baissé. Parce qu'ils savent que s'ils ne font pas ça, ben, ils vont Ils vont perdre perdre une part de marché. des grandes parts du marché. Donc, voilà, c'est un pays quand même qui est très dépendant des remittances, still. Et je pense que c'est pour ça que c'est une des principales raisons pour laquelle le gouvernement a décidé d'adopter le Bitcoin, parce qu'ils savent que ça va, sur le long terme, save a hell lot of money for people. Je pense qu'il y avait un article à un moment, ça coupe les revenus de Western Union de 400 millions de personnes. Et là, on parle vraiment des gens les plus qui en ont le plus besoin, right, de la société. Et même quand tu vois l'application de la loi en tant que telle,
C'est pas. No one was forced to accept Bitcoin, really. The only people that were forced to accept Bitcoin were the ones with the bigger means, right? So the chains, the international chains specifically, pour s'assurer que les gens de la société qui en ont le plus besoin, bah, s'ils reçoivent leur argent en Bitcoin, qu'ils puissent le dépenser quelque part et qu'ils ne soient pas bloqués par, par des entreprises super géantes qui font ce qu'ils veulent. Ce qui explique qu'on voit beaucoup de vidéos tournées sur YouTube avec ces grosses chaînes qui, un peu malgré eux, donc du coup, ont dû Ouais. incorporer Bitcoin dans leur Ouais. système de paiement. Ouais. Et c'est assez cool. Ouais, Je c'est trouve cool à ça. voir en tout cas. Ouais. Ouais, absolument. Non, mais Absolument. excellent. Donc là, on a parlé un peu de Bitcoin Beach. Ouais. Mais bon, le Salvador est plus large que ça, même si ça reste un petit pays. Mmh. Comment se développe Bitcoin, son adoption dans le reste du pays, si on nomme un petit peu du coup Bitcoin Beach, où on sent que c'est vraiment un écosystème un peu particulier. Ouais. 2 ans après, à quoi ressemblent les choses à ce niveau-là? C'est lent. C'est lent, mais c'est compréhensible en même temps. Encore une fois, quand le pays a décidé d'adopter Bitcoin, le taux d'échange était différent de ce qu'il est maintenant. Les zones où on trouve le plus d'adoption, c'est les zones touristiques. Donc, Ataco, etc., le Ruta de las Flores, machin, on va avoir de plus en plus de gens qui acceptent le Bitcoin là-bas parce qu'ils ont espoir d'attirer en fait les Bitcoin tourists to spend their money there. There is more and more people that understand Bitcoin on the fundamental level, though. So that's something that is super positive. Like people that didn't know Bitcoin existed in 2021 have gone down the rabbit hole. So that gives me a lot of hope in a lot of ways. Et il y a beaucoup de travail c'est pas forcément l'éducation qu'il faut, mais c'est plus les gens doivent y voir la valeur intrinsèquement. Tu vois ce que je veux dire? C'est, tu peux pas les forcer à accepter le Bitcoin. Donc tu peux pas les forcer à accepter cette monnaie-là s'ils voient pas la valeur pour eux Bien sûr. de manière intrinsèque. Et Mais c'est, vis-à-vis de ce que tu me disais un petit peu plus tôt, je trouve que ça a du sens parce que tu parlais du fait que ben, en 2001, on leur a imposé le dollar et que ça a ouais, été quelque chose d'assez brutal pour eux. exactement. Et au final, ben, on peut presque féliciter le fait que ce soit lent parce que ça, je dirais, ça évolue d'une manière un peu organique avec le Exactement, temps. exactement, exactement. Et c'est pour ça que c'est lent en fait, c'est parce que c'est plutôt organique. C'est plutôt organique. Et oui, il y a des initiatives d'éducation, etc., mais c'est volontaire. Encore une fois, c'est les jeunes qui ont envie de faire le cours qui le font. C'est pas, par exemple, Miprima Bitcoin qui fait des cours dans les lycées, etc. C'est pas tous les lycéens qui font le cours, c'est ceux qui veulent le faire qui le font. De la même manière, Kubo Plus ici, donc ce qui a amené des coupes Bitcoin ici, c'est donc une initiative où des jeunes étudiants en informatique ont de manière volontaire postulé pour pouvoir participer à ces 2 semaines de cours intensifs avec les meilleurs professeurs Bitcoin du monde. Donc voilà, encore une fois, on voit un peu cette image de Exactement. volontaire et encore une fois qui n'est pas forcé même sur les étudiants les plus jeunes. Ouais, exactement, exactement. Et ça fait en sorte qu'on est en train de bâtir une base en fait de personnes qui comprennent le Bitcoin, qui vont par la suite continuer les efforts de orange-piler leurs familles, leurs amis, etc. Et on peut espérer que ça en fait, c'est d'avoir une bonne base de Bitcoiners qui comprennent ce que c'est de manière fondamentale, qui vont par la suite trouver les meilleurs arguments pour onboarder le reste du Salvador, parce Ils sont les qu'on mieux reste placés. des étrangers. Exactement. Donc, on va pas avoir les mêmes blagues, on va pas avoir les mêmes arguments. Donc, si ça vient d'eux, C'est entre ça. Salvadoriens, c'est comme ça que ça va marcher. Mon point de vue serait presque malvenu. De venir un peu de notre. Enfin, et de venir un peu. Enfin, imposer à plein de gens, alors que si c'est vrai que c'est fait directement par des locaux, Mais justement, ce n'est ça pas c'est. imposé. Les étudiants qu'il y a au Cubo Plus, Voilà. ils ont postulé par eux-mêmes. Il n'y a C'est personne ça. qui les a forcés à le Et eux faire. retourneront dans leur famille et Ouais, pourront exactement. en parler autour d'eux. Exactement, Ouais. exactement. Non, bah écoute, super. Du coup, récemment, il y a eu un rebranding de Beach Wallet Ouais, en Blink. c'est ça.
Donc voilà, de nouveaux noms de Bitcoin Beach Wallet et Blink. J'imagine qu'il y a une volonté que ce soit moins. Quel terme? Peut-être moins fermé autour de l'économie seulement de Bitcoin Beach. Est-ce que je me trompe? C'est exactement ça. Donc, l'effort de rebranding, c'était principalement parce qu'il y a de plus en plus de communautés qui utilisent Bitcoin Beach Wallet pour lancer leurs économies circulaires. Et Bitcoin Beach Wallet, c'était pas, c'est pas un nom facile pour la majorité des gens qui ne parlent pas anglais. Donc, on a cherché un nom qui est plus, accessible à un plus grand nombre de personnes, qui soit un peu plus international. Etc. Donc, il y a énormément d'efforts en fait en ce moment. La vision qu'on a pour Blink en ce moment, c'est que ça soit la wallet, la première wallet que tu recommandes à quelqu'un qui utilise Bitcoin pour la première fois. Et que tu sais que s'il est onboardé sur cette wallet-là, éventuellement, il va apprendre plus sur le Bitcoin parce qu'il y a une earn section où il peut apprendre sur le Bitcoin. Il va savoir où est-ce qu'il peut aller dépenser à cause de la map, etc. Et donc, ça vient renforcer les économies circulaires à travers le monde. On l'a traduit aussi à travers des efforts open source, des volontaires en fait qui nous ont aidés à traduire, je pense, une vingtaine de langues maintenant, entre les gens. On a intégré le multi-currency display, qui sont quand même si on regarde n'importe quelle autre wallet, c'est des trucs qui existaient de base, mais pour nous, c'était quand même un grand shift de vision et on a dû les implémenter récemment pour qu'on puisse étendre le reach de la wallet. Ok, bah je comprends, ouais, parfaitement. Ouais. Et c'est plus cool, Blink. Et aussi, c'est vrai, C'est c'est cool, facile à dire, c'est facile à se souvenir aussi, non? donc Ouais. carrément, Blink, moi aussi, je valide pour ma Ouais. part. Et donc du coup, bah, toi, tu es venu ici. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil ou en fait, est-ce que les gens devraient venir considérer le Salvador, que ce soit les individus, les entreprises, toi, quelle est ton opinion, même si elle n'est que personnelle, vis-à-vis du Salvador? C'est comme tout autre déménagement, donc il faut venir voir, puis voir si if you find your place in the country, right? It's a small country, it's not a big country. Puis on a pour tous les goûts. Si t'aimes les montagnes, il y a les montagnes. Si t'aimes la plage, il y a les plages. Il y a un peu de tout, mais il y a tout à bâtir. Donc il y a des zones ici où il y a absolument zéro infrastructure. Donc ça dépend de ce que les gens cherchent en fait, quel genre d'aventure ils cherchent. Mais moi, ma recommandation toujours, c'est viens pour adopting Bitcoin, puis tu verras. Tu verras si ça te plaît, et après, si tu as envie de rester, bah, tu peux rester. Il y en a beaucoup qui ont fait ça d'ailleurs, qui sont venus pour adopting Bitcoin. De base, ils étaient là pour une semaine, et au final, ils étaient là pour 5 mois, quoi. Donc, s'il y a quelque chose d'attirant dans le pays, parce que les gens sont très accueillants, et ils sont extrêmement heureux de voir des étrangers venir s'installer ici, que ce soit pas juste des humanitarians, des NGO, etc., qui viennent vraiment pour le développement économique, pour le futur du pays, etc. Et c'est pas juste pour des handouts, etc. Donc il y a quelque chose qui est vraiment attirant, ne serait-ce que la volonté des gens d'être super accueillants et welcoming to everyone, really. So that's pretty cool. But you have to come and try it first. It's not for everybody. It's not for everybody. Va voir, c'est exactement la démarche en plus dans laquelle je suis en ce moment, donc tu vois, on Mais verra. c'est bien, c'est bien. Moi, je pense que tu vas aimer. C'est dur de ne pas aimer. C'est dur de ne pas aimer. Il y a encore beaucoup de choses à fixer. Il y a énormément de trucs de base à régler. Donc, par exemple, moi, un truc j'arrive pas. J'aimerais bien que ce soit le prochain truc que le gouvernement essaye de régler, c'est le problème d'obésité, par exemple, dans le pays où ça fait peur, quoi. Ça fait vraiment peur. Mais sinon, ouais, il faut plus de bras, il faut plus d'éducateurs. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de Bitcoiners qui viennent ici s'installer parce que c'est dur parfois, parce qu'il y a quand même pas mal de shitcoiners dans le pays, ça devient lourd parfois. Donc s'il y a de plus en plus de Bitcoiners qui viennent s'installer, moi,
ça m'arrangerait. On serait plus soudés, C'est avec ça, plus de force pour exactement. faire front et face à Exactement, tout ça. exactement. Non, mais écoute, on va essayer alors. Et donc, tu m'as parlé d'adopting. C'est la conférence qui a eu lieu l'année dernière. Si je ne me trompe pas, c'était au mois de novembre. C'est ça, c'est ça. Et donc, il va y avoir une seconde édition cette année. Troisième. C'est la troisième C'est la édition. troisième D'accord, édition, ok. ouais. C'est la troisième édition cette année, toujours en novembre, du 7 au 9 novembre. Même concept, on essaye le plus possible d'être. En fait, la première année, c'était deux stages, un econ et un dev, qui couvraient tout ce qui est dans un stage, c'était tout ce qui est macro, adoption, bottom-up, top-down adoption, etc. Et sur l'autre, c'est tout ce qui est technologie, lightning, etc. Et l'année dernière, on l'a étendu, on l'a explosé en fait. Il y avait genre, il y avait, non, il y avait 8 stages, des plus petits de 15 personnes pour les workshops, etc. Il y avait encore Econ, Dev et un Solution Stage. Et cette année, on fait la même chose. Donc là, on est en train de chercher des speakers. Donc s'il y a quelqu'un qui écoute, qui est intéressé à participer, qui a un topic important à couvrir, vous êtes les bienvenus à appliquer. Et l'idée, c'est que chaque participant, en fait, en fait sa propre expérience pendant la conférence. Donc, tout se passe un peu en même temps. C'est un peu, c'est tu crées ta propre expérience dans la conférence et il y a de toutes sortes de thèmes qui sont couverts. Donc, on va pas se lasser. Et j'ai regardé votre site et Ouais. il y a quelque chose que j'ai trouvé super cool, c'est que vous voulez être accessible pour les locaux. Ouais. Et donc vous avez un prix préférentiel pour les locaux, ce qui est, Ouais. je trouve, vachement cool. Donc si je me trompe, c'est 21 $. C'est ça, c'est Ouais. 21 $. La conférence en tant que telle, elle est très accessible même pour les Même pour les étrangers, je étrangers. trouve. Donc les prix sont assez abordables. La majorité des coûts de la conférence sont couverts par les sponsors, je dirais, plutôt que les tickets. Mais oui, pour les locaux, pour les Salvadoriens, c'est 21 $. Et c'est un prix symbolique, en fait. C'est juste. Pour s'assurer en fait que même les Salvadoriens qui participent, que un puisse venir, que ce soit un prix abordable et qu'ils aient fait au moins une transaction en Bitcoin avant de venir à la conférence en utilisant Lightning. Donc, et souvent, on la donne à beaucoup moins que 21 $. Ça, c'est quand les gens nous demandent, on la Du donne. sens. Mais il faut qu'il y ait un prix au moins pour qu'ils fassent une Ouais, transaction. complètement. Ouais. Ça a du sens. Ouais. Et sinon, j'avais aussi une question. Donc, il y a Blink. Au-dessus de Blink, si je ne me trompe pas, il y a Galloy. Exactement. Après, je ne sais pas s'il y a plus de choses que fait Galloy. Je ne m'en rends pas compte du tout. Galloy, en fait, c'est l'entreprise qui offre l'infrastructure technologique qui fait en sorte que Blink existe, Qui porte Blink, qui ok. porte Blink, exactement. Donc, c'est le Free and Open Source Software Company that allows Bitcoin wallets to exist. Donc, il y a Blink qui existe in the wild. Il y a aussi Bitcoin Jungle qui D'accord. utilise le même code que Blink et d'autres qui essayent de forquer le code aussi de Bitcoin Galloy. Jungle, ça se trouve C'est où? au Costa Rica. Costa Rica. C'est au Costa Rica Ok. qui est opéré par un groupe d'individus qui ont juste forqué le repo de Galloy et qui ont leur propre wallet en ce moment qui est basé. C'est la même chose en fait, mais Bien sûr. c'est au Costa Rica. Donc c'est ça. Donc ça, c'est Galloy. Et Blink, en fait, c'est l'entreprise qui gère la wallet qui a commencé au Salvador et maintenant qui opère un peu à travers le monde. Ok. Ouais. Bah écoute, génial. Merci pour cet aperçu. Je pense que tu as répondu à beaucoup de questions que je me posais et du coup que tout le monde devait aussi se poser un peu sur le Salvador, Bitcoin Beach Wallet et même toi qui tu es au milieu de tout ça. Donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre sur quoi tu souhaites nous laisser, une idée qui te vient en tête, un message que tu souhaites partager à notre audience française ou en tout cas francophone? Je leur dirais, venez visiter le Salvador. Le meilleur moment de le visiter, ce sera en novembre pour Adopting Bitcoin. Donc, le site web, c'est adoptingbitcoin.org. Les dates exactes, tu les as. Le 7 au 9 novembre. 7 au 9 novembre. C'est ça, 7 au 9 novembre. C'est le début de la saison d'été. Il fait super beau, donc c'est le meilleur moment de venir Moment visiter. de venir. Ouais. Excellente occasion. Ben écoute.
Merci Nour, c'était un plaisir de te rencontrer et puis ben, on te souhaite bonne continuation au Salvador. On espère te retrouver bientôt sur des coups de Bitcoin et surtout merci d'avoir participé à cette petite entrevue. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreons, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!